La vache qui rit. Le fromage de prolétaire. Prolétaire, les pauvres. On disait que le président de la République du Tchad était parti à l'époque de Mitterrand. Et il l'a invité et puis il lui a demandé quel fromage vous prenez. Il dit la vache qui rit. Je vous salue. C'est la révolution. J'étais en train de diriger une réunion syndicale. Une personne vient m'appeler pour dire qu'on a besoin de moi. Et quand j'étais sorti, ces deux agents de service de renseignement et qui m'ont pris dans leur voiture et le soir, ils m'ont torturé, assez bien torturé pour vous. Ceux qui ont vécu cette torture, ils savent c'est ce que le système qu'on appelle le système d'Arbatachar. C'est un système où on vous attache les mains par là et par derrière, on vous les joint avec les pieds. Vous trouvez encore les traces de la torture, si vous voyez ça. C'est des images de torture, comment on a attaché. Et ça fait 27 ans. Hein. Et là, la cicatrice est là encore. Oui, tout ça. Et comme ça, on m'a arrêté et je suis resté pendant 4 mois en prison, entre 3 et 4 mois, jusqu'à ce que le dictateur fuit et je suis sorti de la prison lorsqu'il a fui. Au syndicat, on n'a pas de différence. On ne voit pas qui est qui, on voit celui qui est discriminé. On doit aller pour l'aider. Qui que ce soit, là, la personne. Et on m'a enseigné dans ma profession, on ne voit pas qui est celui qui est arrivé et qui est malade. On ne voit seulement que celui il est malade, il a un mal, il faut aider à le sauver. Donc je pense que tout à fait en symbiose avec ce que j'ai fait à l'hôpital, et ce que j'ai fait au syndicat. Gonfler le poumon. Gonfler. Non, pas très. Bon. Longtemps et vous arrêtez. Ok. Respectez, respirez. Le pays se développe, c'est aussi, mais pour se développer, il faut bien, effectivement, que tout le monde mange, que tout le monde ait la santé, que tout le monde parte à l'éducation. Et tout ça, là, ça fait partie de notre lutte. Donner à manger aux gens, éduquer les gens, soigner les gens. Parce que si ces trois points ne sont pas là, en fait, il n'y a pas de développement du pays. Le procès de l'ex-président tchadien Hissène Habré s'est ouvert ce matin à Dakar devant un tribunal spécial mis en place par l'Union africaine. Il comparaît pour crimes de guerre, crimes contre l'humanité et crimes de torture. Il a été conduit de force au tribunal dont il ne reconnaît ni la légalité ni la légitimité. C'est la première fois qu'un ex-dirigeant africain est jugé par une cour africaine. Dans le cadre du débat pour la condamnation d'Hissène Habré qui nous a mis en prison. Et ça, j'ai fait partie de l'association des victimes. Et ceci donc a permis à moi de raconter mon histoire. Alors donc, ils m'ont dit que nous avons fait des actes contre la République dont on est complice des tracts. D'accord. Donc, à cette époque-là, la liberté syndicale était garantie aussi. Oh, la liberté syndicale dans un système de dictature, ce n'est pas une liberté syndicale, c'était un syndicat unique. Et effectivement, nous participions en tant que syndicalistes, tout simplement parce que nous,
adhérents à ce syndicat. Je comprends. Ici, c'est un grenadier. Un grenadier. Et ça donne, ça commence déjà à donner. Ici, c'est aussi un grenadier. Les mangues, grenadier. Et ici, j'ai donc des arbres de beauté, juste tout. Ça, c'est un figuier. Un figuier, il produit deux fois dans l'année. Et c'est de bonnes de figues. L'ex-président tchadien Hissène Habré est condamné à la prison à vie. C'est le verdict qui a été rendu ce 30 mai à Dakar, la capitale sénégalaise, par les chambres africaines extraordinaires. 20 ans après les faits, il a été reconnu coupable de crimes contre l'humanité et crimes de guerre. Nous avons dit qu'il faut bien combattre ce système-là parce qu'il est le même que le dictateur qui est parti. Parce qu'en fait, avec le gouvernement actuel, tous les syndicalistes sont considérés comme des ennemis, comme des adversaires, comme des opposants. C'est une situation qu'on a toujours rappelée. Parce qu'on a perdu quelqu'un parce qu'il se battait pour lutter afin d'obtenir les droits des travailleurs. Quel sera l'avenir de ce pays? Quel sera l'avenir des travailleurs? Quel sera l'avenir de la jeunesse et des femmes? Ils doivent obtenir leur gain, c'est-à-dire leur avantage, leurs droits et leurs devoirs. Par cette lutte, ces gens-là vont prendre l'exemple sur nous. Et je pense que j'ai pas perdu mon temps, mais j'ai plutôt gagné. Et même si je n'ai pas gagné en moyens financiers, en toute richesse, mais j'ai gagné en honneur, en dignité et en tout ça.